spécial 30 ans de Voici que devient Philippe Risoli, l'ex-animateur du Juste Prix / Oblique. Souvenez-vous, pour ceux qui étaient nés, les années 90, TF1 est le Juste Prix animé par son pilier, l'ultra-populaire Philippe Risoli. Un monument historique de l'univers du petit écran / Oblique. Juste avant, pourtant, l'animateur passé par la radio et les débuts de Nulle part ailleurs sur Canal+, connaît une sorte de consécration, en débarquant sur TF1 avec un autre jeu populaire, Jeopardy. Sa carrière s'emballe, il devient l'une des stars du petit écran, et enchaîne les aventures de divertissement maison en prime time, comme Succès fou, La fête de la musique. Sans oublier l'incontournable et cultissime Interville, avec l'inoxydable Guy Lux. Un boulevard qui conduit Risoli au millionnaire, 1991-1999. Puis, enfin, à l'indétrônable Juste Prix en 1992, pour lequel il succède à Patrick Roy, malade, et disparu l'année suivante, et un carton phénoménal, qui tire encore des larmes nostalgiques, ceux qui étaient nés / Oblique. Pour être élégant, un micro ça se tient les doigts écartés et à l'italienne expliquait le king incontesté du lancer de micro à Valérie Benaim en 2014. Une petite pirouette acrobatique sans trucage devenue sa signature / Oblique. Une fois la page du Juste Prix, et surtout de TF1, tournée, après 13 années de collaboration intense, l'ex-animateur avoue ne plus être intéressé par le sujet et d'autant qu'il estime avoir été flingué par Étienne Moujotte, ex-vice-président de la chaîne. Mais un type qui sait si bien faire pirouetter les micros sait aussi rebondir / Oblique. La preuve, Philippe Risoli est aujourd'hui, à bientôt 64 ans, un heureux homme politique et de fiction, dans la pièce Piège à Matignon. Il se consacre en effet, depuis 2013, à son nouveau métier acteur de théâtre, et se produit sur les planches aux côtés de Nathalie Marquet-Pernot. Épanoui, quoi / Oblique. Ni aigri ni revanchard, l'ex-star de la télé confie même aujourd'hui « Je m'éclate sur scène, mais si demain on me propose un projet télé qui m'intéresse, je l'étudierai ».